C'est pour la route? Pour la route. Ok, on place. T'es contente qu'on reprenne la route? Oui. Hasta luego. Hasta luego, Sepin. Sepin. Que d'amour ici, dis donc. Hello, hello! Bon, alors, problème connexion cerveau-doigt, ce qui fait que tout à l'heure, quand je vous ai fait l'introduction du vlog, eh ben, j'ai pas appuyé sur le bouton, donc en fait, ça servait à rien, ce qui est très dommage parce que Eleanor était super mignonne. On vous raconte un petit peu ce qui était en train de se passer. Elle arrive à dire oui, mais non, nous on part en voyage, on part, ça y est, on est trop contents, nous on est des voyageurs, on aime le voyage, on va à un nouvel endroit. Enfin, c'était trop trop mignon. Et en fait, on est en train de vous dire à ce moment-là que moment plutôt émotionnel au moment de quitter Beto, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps avec lui. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément, il a un cœur immense, il est d'une gentillesse et d'une générosité sans fin. C'est quelqu'un de profondément doux et profondément bon, j'ai envie de dire. Donc oui, ça a fait un petit peu bizarre, mais on était très 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 contents de reprendre la route. Et du coup, avec cette intro en décalé, je vous emmène avec nous pour la suite, mais surtout si vous êtes content de nous voir reprendre la route et de voir ce sourire, parce que oui, je suis super heureuse de repartir, et ben, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce tout de suite et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti pour la suite. Ciao, ciao. Bon, petite recharge en gaz sur la route. On s'est trouvé un endroit parfait où on peut laisser carrément liberté. Et là, le monsieur est en train de nous remplir nos bouteilles. Et puis on va les manger parce qu'il est 14h et que c'est pas tout ça, mais on commence à avoir faim. Donc on va faire ça. Et puis il nous reste à peu près, je crois, 1h30 de route. Quelque chose comme ça, bah, un peu plus du coup, vu qu'on va s'arrêter manger. Mais voilà, comme ça on aura tout le gaz qui sera rempli, on sera tranquille. Ce sera une bonne chose de faite. Et puis je pense que ce sera sans doute la dernière fois avant d'aller au Belize. Ça va arriver vite. On vient de s'arrêter sur la route, juste ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Poulet. Manger? Non, poulet. C'est pas du poulet là, on va manger des quesadillas. Pourquoi? Tu as faim? Oui. Oui? Quesadillas. Poulet. Des quesadillas au poulet? Oui. Je crois que Timothy veut des quesadillas au poulet. Allez, à table. Profite qu'on soit
soit posé pour manger. Moi j'ai fini, donc du coup je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, parce que comme vous avez vu, on n'a pas fait de vidéo en fait en milieu de semaine. Donc c'est pas qu'on voulait pas, c'est juste qu'on a été très 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 occupés la semaine dernière. Du coup je me suis dit que ce serait bien de vous parler un petit peu de tout ce qu'on a fait cette semaine, parce qu'on a vraiment pas chômé. En fait ça a commencé dimanche dernier. On a assisté à une cérémonie maya, en fait c'est une cérémonie ancestrale qui s'appelle le Temazcal, et c'était vraiment super intéressant. On y est allé en fait comme on irait pour je sais pas, visiter le Vatican à Rome, comme on pourrait aller je sais pas, visiter une mosquée en Turquie ou un temple bouddhiste en Thaïlande. En fait l'idée c'était vraiment de découvrir quelque chose qu'on connaît pas, parce que voilà, toute chose découverte est enrichissante, et ça a été très enrichissant. On savait pas trop à quoi s'attendre, donc je vais vous montrer un petit peu comment c'était, parce que ça vaut le coup d'œil. Seulement tu peux dans la en fait deux mots. En fait vraiment le bruit, en fait c'est comme un mégaphone de encore falloir que j'apprenne quelque chose à Audrey. Ah oui. Ça allait jusque là. Et voilà. Guía para su cuerpo. Nous sommes avec la famille Costier à la rivière Maya. Comment tu sens? En réflexion et on se laisse faire. Alors en fait il faut savoir que les Mayas avaient une très très grande connaissance de la terre, du ciel. C'était des mathématiciens, c'était des... Enfin voilà, ils étaient... Ils avaient une culture qui était très très tournée vers la terre. Et moi c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup chez nous. Donc forcément on y est allé avec une certaine curiosité, en se disant bah, qu'est-ce que c'est. Et puis voilà, c'est quand même quelque chose qui dure à travers le temps. Donc c'était très intéressant, ça a bouleversé pas mal de choses. Voilà, on est ressorti assez différent. Mais voilà, je pense que c'était une expérience vraiment à vivre. On est très content d'avoir pu l'expérimenter. Et puis bah, voilà, on apprend toujours plein de choses. Donc très contente de ça. Et puis voilà, la prochaine étape ce sera de visiter un monastère en Chine, qui sait. On ne sait pas, on verra bien. Donc juste un petit mot par rapport au Temazcal. En fait le Temazcal ça représente une cérémonie de renaissance. Le dôme dans lequel vous nous avez vu rentrer, en fait c'est un dôme qui représente le ventre de la terre mère dans la civilisation maya. Donc en fait quand on rentre dans ce dôme là c'est pour entre guillemets se nettoyer. Donc c'est une cérémonie qui se fait à plusieurs, et donc à l'intérieur en fait c'est un petit peu comme un sauna, enfin un hammam, parce qu'il y a beaucoup d'eau et c'est très 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 chaud. Et en fait dans des pierres
qu'on a vues qui sont dans le feu juste avant. Les pierres sont apportées depuis le feu à l'intérieur et puis là ils versent un petit peu d'eau avec plein de plantes médicinales qu'ils ont préparées auparavant. Ça sent extrêmement bon, il y a vraiment de super bonnes odeurs. Par contre il fait hyper chaud et puis il y a des chants, il y a de la musique et tout. C'est vraiment quelque chose de vraiment assez impressionnant, mais c'était très sympathique. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé et puis je crois que Seb a bien apprécié aussi. Donc c'était très sympa. Donc ça c'était pour dimanche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait le reste de la semaine? Je vous l'avais dit la dernière fois, je crois dans la dernière vidéo, on a décidé de s'atteler au départ, si je puis dire ça comme ça. Et donc du coup on avait l'entretien du pick-up à faire qu'on voulait faire absolument avant de partir, c'était très important. Non pas qu'il y ait énormément de choses, mais pour être sûr que voilà justement il n'y avait pas de problème. Et puis il fallait réparer en dessous de la caravane par rapport à la boulette que j'avais fait à Disney. Donc ça a été fait, on a fait venir deux soudeurs, en fait on a eu du mal à les faire venir. On est allé chercher lundi et puis ils sont venus jeudi soir. Ils ont travaillé de nuit, ça a été quelque chose, mais voilà, disons que le dessous de la caravane a été réparé. Donc voilà, ils ont renforcé tout, ils nous ont aussi ressoudé les pattes à l'arrière, quelque chose qu'on voulait absolument faire aussi. Donc voilà, une bonne chose de faite. Ensuite moi je me suis attelée à refermer tout le dessous de Liberty. Cette vie, c'est pas pour les gens qui sont pas débrouillards. C'est sûr. On prend très la tranche. Bon. Aïe. Je suis dégueulasse. Mais c'est fait. Remplir la vache. Pendant ce temps, Seb a fait pas mal d'allers-retours au garage pour les pièces qu'on avait commandées, pour aussi justement faire l'entretien, laver la voiture. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. On a eu des choses à régler parce que quand Sébastien s'est fait piquer de la dengue, on a dû passer des examens, sauf que ça paraissait pas sur l'ordonnance. Donc il a fallu retourner à la clinique où ça avait été. Enfin, ça a été vraiment beaucoup beaucoup de temps. Et nous, hier, on a passé toute la journée avec Manon à vider la totalité de la caravane, aspirer, nettoyer et tout re-ranger. J'ai besoin de toi que tu m'aides à pousser ça. Oui. S'il te plaît. Oui. Attention à tes petits doigts sur le haut. Voilà. Tu pousses fort. Non, on n'est pas bien mis, je crois. Attention, on va descendre. Je crois qu'il... Est-ce que ça me semble bien? Tu tapes en plein avec moi? Tape là-dessus s'il te plaît. Tiens, mets tes petits genoux là-dessus. Si tu veux te mettre à genoux. Voilà, mets tes petits genoux là. Oui. Ça te fera moins mal. Moi aussi. Alors. Tu tapes fort? Oui. Tu tapes pour pousser bien la porte. La planche. Oui. Est-ce que tu penses qu'on est bon? Oui. Super. Et maman, tu veux m'aider? Oui. Alors. Il va falloir mettre ça là. Oui. Tiens, tu la mets dans le trou, tu la pousses dans le trou s'il te plaît. Celle-là. Celle-là. Oui, tu la pousses. La pousse. Là. Attends, hop, attention à tes petits doigts. Et forcément si je dévisse. Et de une. Top là. Un autre. Merci, il faut la mettre en haut celle-là. Et puis ranger aussi l'extérieur parce que ben voilà, on s'était un petit peu installé, donc il y en avait un petit peu partout. Donc ça nous a pris beaucoup 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 de temps, mais ça a fait du bien, ça a permis de faire un gros gros tri. J'avais déjà commencé le tri, j'avais donné beaucoup d'habits justement au soudeur quand il est venu. J'avais fait trois énormes sacs poubelles pour sa famille. Est-ce possible pour la autre famille? Una otra? Sí. Ah.
Todo eso también. Si non, te gusta, se puede para otra persona. Enfin, à la base, je comptais les donner dans une église ou dans un lieu de don. Et puis là, du coup, je lui ai donné à eux. J'ai reçu un message de sa femme me remerciant, disant que ça, c'était vraiment adorable et tout et tout. Donc, ça m'a fait très chaud au cœur. C'était très sympa. Et du coup, hier avec Manon, à minuit, 23h45, on est parti. On a mis toutes les poubelles dans la veine du pick-up et on est parti en recherche de poubelles. Donc, dans le village de Puerto Aventuras, on se baladait et puis à chaque poubelle, on déposait des poubelles. On s'est bien marré, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, du coup, on a pu. Quand on est rentré vers minuit, c'était cool. Et puis surtout, on était prêts. On était prêts à partir. Donc, le dos de Seb va mieux. Il a fini ses dernières séances jeudi soir. Et donc il vous en parlera plus amplement plus tard, mais le kinésiologiste qu'on voyait était absolument extraordinaire. Donc ça a bien aidé, ça lui a fait beaucoup de bien. Et puis il est en train de réapprendre à marcher, et moi aussi au passage. Donc voilà, bon, sur ce, je vois que toute la petite tribu est en train de terminer de manger. Donc on va reprendre la route et puis on vous emmène à Marawai. Thank you.